Je m'appelle Jean-Marie Vesse et je suis professeur des universités en psychologie. Je suis également co-auteur avec Marc Ferrero d'un livre qui vient de sortir, L'enfant et ses complexes. Nous sommes partis des complexes. En effet, le mot complexe est très souvent un mot utilisé par les parents quand ils veulent dire quelque chose de ce qu'ils sentent. Pas très solide, pas très en place chez leur enfant, et qui montre aussi leur inquiétude et qui signifie que pour eux cet enfant est malheureux et se sent un peu à l'écart des autres. Nous avons donc fait le point sur ce que nous savons en psychologie aujourd'hui sur ce développement, la place du complexe, la place aussi de l'enfant dans la société avec les moyens de communication d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les écrans. Nous avons essayé de donner un certain nombre d'indications pour que les parents puissent réfléchir à ce qui se passe, quels sont les enjeux donc de ce fameux complexe. Ce livre s'adresse aussi aux éducateurs, aux enseignants, parce que nous nous sommes aperçus que des problèmes peuvent aussi surgir dans la rencontre avec l'école, avec des lieux sociaux, où l'enfant peut être assez vite marginalisé. Et dans ces cas-là, c'est vrai que le psychologue est quelqu'un à qui on peut faire appel. Et ce livre est en fait un essai pour donner plein d'outils, de différentes manières, aux parents, aux éducateurs et aux enseignants.